tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, et parce que vous avez quand même été un certain nombre à m'inciter à jouer à ce fameux jeu, nous allons découvrir ensemble, ou redécouvrir pour certains, parce que je sais que vous êtes déjà très nombreux à y jouer, le jeu en ligne Star Stable. Alors Star Stable, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu, donc comme je disais, en ligne, où vous allez pouvoir vous y retrouver entre joueurs. Ce jeu se déroule sur l'île magique de Jorvik, où, bah, vous avez bien compris, vous allez devoir prendre soin de votre cheval, de votre écurie, mais également à participer à des missions pour vous permettre d'avancer dans le jeu, puisque vous l'aurez bien compris, vous allez incarner un personnage qui aura une certaine utilité dans l'avancement du jeu. J'ai été contactée par les créateurs du jeu, donc cette vidéo est sponsorisée par eux et je les en remercie, et ils ont eu également la gentillesse par le biais d'un lien que je vous mets directement en barre d'informations, de vous offrir une semaine gratuite en tant que Star Rider, c'est-à-dire une version du jeu encore plus développée où vous pourrez accéder à davantage de missions mais également d'aventures. Ok, donc maintenant que je vous ai présenté grosso modo ce qu'était le jeu, on va pouvoir du coup commencer un petit peu à jouer, donc à savoir à créer son personnage. Vous allez voir qu'il y a une multitude également d'accessoires pour personnaliser celui-ci. Vous allez pouvoir aussi choisir un cheval, personnaliser également sa robe. On va pouvoir faire de la compétition, participer à des missions, et je pense que c'est une aventure qui va être plutôt sympa parce que j'en ai déjà entendu parler. Je sais aussi qu'il y en a plusieurs parmi vous qui tiennent une chaîne entièrement dédiée à leurs aventures sur Star Stable, et j'ai vu qu'au niveau des graphismes, on était vraiment sur un jeu en ligne qui avait l'air vraiment super captivant. Du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Ok, donc du coup, après avoir créé votre personnage et votre cheval, vous allez du coup cliquer sur jouer et vous allez voir en fait que ça va vous télécharger un fichier. Ce fichier, vous l'avez bien compris, du coup, ça va être le jeu. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous reconnecter du coup avec votre adresse email que vous aurez au préalablement remplie et vous pourrez commencer votre aventure. Allez, c'est parti, je lance le jeu. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai déjà joué un petit peu avant. Comme ça, au moins, je vous évite de voir tout ce que j'ai déjà fait par le passé. Au début, il vous explique un petit peu comment prendre le jeu en main. Il vous explique comment avancer, comment freiner, comment parler à des personnages. Il vous explique aussi comment sauter des obstacles. Vraiment, c'est le début du jeu. Donc voilà. Donc là, je suis à Moorland. Donc c'est en fait un petit peu le village où se trouve l'écurie, etc. dans l'île de Jorvik. Donc là, vous voyez, il y a un petit point d'exclamation sur Tan, donc qui est la personne qui est ici. Donc c'est-à-dire que je peux lui parler. Hop. Tu dois être la nouvelle fille dont tout le monde parle. Je m'appelle Tatijana, mais mes amis m'appellent Tan. Bienvenue à Jorvik. J'espère que Loretta ne t'a pas fait trop peur. Elle peut être un peu intense avec les nouvelles, mais ça part d'un bon sentiment. Elle prend l'équitation très au sérieux. C'est pour ça que Loretta insiste pour que les Bobcat, alors les Bobcat en fait c'est un groupe de filles, parce que vous pouvez former des équipes, etc., soient disponibles pour aider les nouvelles cavalières de l'écurie Moorland à s'entraîner. Elles appellent ça faire du bénévolat, mais j'ai l'impression qu'elles cherchent en secret de nouvelles Bobcat. Donc en fait le but, j'imagine, c'est de faire partie de ces fameuses Bobcat. Mais pour ça, il va falloir que je fasse mes preuves, que je termine des missions, parce que dans le jeu, effectivement, vous avez plusieurs missions. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-unes là au début. Maintenant, parlons course. Ici, à Jorvik, l'équitation est le passe-temps national. Tu n'auras donc pas de mal à trouver des courses à faire lorsque tu exploreras l'île. Oui, parce qu'effectivement, là, on est au sein du village, mais en fait, on peut sortir de l'île. T'entraîner sur des pistes de course est une excellente façon de former ton cheval chaque jour. Je vais te laisser essayer notre piste de base. Pas de stress, ce n'est que pour t'entraîner. Fais simplement de ton mieux. Avec grand plaisir. Donc, là, vous voyez, acceptes-tu cette mission? En fait, ça, vous l'avez justement à chaque fois que vous allez pouvoir participer à des missions. Et vous l'avez bien compris, plus vous faites de missions, plus vous allez avancer dans le jeu. Et vous allez également, du coup, pouvoir gagner des petits sous pour pouvoir acheter aussi de nouveaux équipements dans la boutique que j'ai vue juste ici. Je vous la montrerai d'ailleurs tout à l'heure si j'y pense. Hop, donc oui, j'accepte la mission. Début de la course. Quand tu seras prête, appuie sur le bouton pour entamer la course. J'arrive pas à parler, désolé. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on va partir au galop. Donc c'est un jeu assez intuitif. Au niveau des graphismes, vraiment, je trouve ça superbe. Ça me rappelle des jeux auxquels je jouais quand j'étais plus jeune. C'est super cool, j'adore. Hop, là, il y a un bonhomme, on va essayer de l'éviter, hein, quand même. Allez, on accélère. Ouais, et c'est assez simple, hein. Franchement, vous jouez avec les touches de votre clavier, les flèches avant, côté, s'arrêter.
Pour sauter, c'est la touche espace, mais ça, c'est pareil. Et accélère, Coco. Mais ça, c'est pareil, il vous l'explique au tout début quand vous commencez le jeu. Bon, j'ai pas mis le casque sur ma tête parce que j'ai pas d'enceinte et parce que je vous parle en même temps, mais je l'entends là, il y a de la musique. C'est quand même sympa, hein. Vous avez, ouais, je vous dis, un design assez cool. Et puis des petites musiques, des bruits de chevaux, etc. Temps 1003, ton meilleur résultat personnel. Ok, course terminée. Alors du coup, je vais retourner parler à la personne qui m'a proposé de le faire. Et voilà, est-ce que vous voyez, là, il y a d'autres personnes qui sont là. Mais en fait, c'est parce que comme c'est un jeu en ligne, et ben ce sont d'autres joueurs. Et moi, je pense que ça pourrait être sympa. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires votre pseudo. Pourquoi pas s'organiser des fois des balades ensemble entre moi et mes abonnés? Bon, je pense que ça va être compliqué à organiser si on est 50 000. Mais bah, ça pourrait être sympa qu'on essaie de se faire des petits trucs ensemble. Voilà, hop, je parle avec elle. Donc c'était plutôt bien pour un premier essai. Tu n'avais vraiment jamais monté ce cheval avant. On dirait que Apple Scout, oui, parce que j'ai appelé mon cheval comme ça. Et moi d'ailleurs, je m'appelle Agathe. Apple Scout et toi, être fait l'un pour l'autre. Si tu veux que Apple Scout atteigne son plein potentiel, tu vas devoir te former avec lui chaque jour. Ah bah il y en a une, elle est accrue. Et elle a pas de bombe d'ailleurs, c'est pas bien. Les organisatrices de courses comme moi t'offriront une session de formation chaque jour. Celle-ci aidera ton cheval à s'améliorer. Si tu as l'esprit de compétition, tu peux aussi aller voir le tableau de course et essayer de faire le meilleur score aussi souvent que tu veux. Utilise le tableau de course, n'aidera pas ton cheval à se former, mais tous les cavaliers peuvent gagner des flots. Ah, c'est cool. Et ceux qui font les meilleurs temps peuvent même gagner des prix en argent. Et voilà, et ça c'est super cool parce que vous voyez derrière il y a la boutique, je vais aller vous la montrer d'ailleurs. C'était vraiment sympa de te rencontrer Agathe, profite bien de son séjour à l'écurie Morland et n'oublie pas ta formation. Avec plaisir. Voilà, là vous voyez, il y a tout qui s'affiche. Je peux acheter des selles, filets, des tapis, protection, mais également des tenues, gants, bottes, pantalons, vestons, casques, etc. Donc pour l'instant, comme je viens de démarrer sur le jeu, j'ai que 2 jours d'ancienneté, j'ai pas encore assez pour pouvoir acheter tout ça. D'ailleurs, je suis en train de voir, en fait, vous pouvez aussi choisir les couleurs, ça c'est trop cool. Et là, vous voyez à droite, vous avez également un espèce de fer à cheval bleu avec plusieurs onglets. Donc là ici, meilleur pointeur. Alors j'imagine, ça doit être les courses que vous faites, je pense. Meilleur score mondiaux. Là ici, onglet amis, parce que vous pouvez vous faire des amis sur le jeu. Ensuite, l'achat, magasin global. Donc pour l'instant, moi, j'ai rien acheté. Ici, le sac à dos inventaire. Alors ça, c'est tout ce qui va être matériel de pansage pour prendre soin de votre cheval. Le seau d'eau, mais également nourrir. D'ailleurs, au début, il nous l'expliquait, en fait, il faut aller puiser de l'eau au puits pour pouvoir remplir notre seau d'eau. Et là, vous voyez que j'ai une quantité de 2 seaux d'eau. C'est pas assez, je pense, donc je vais aller le remplir. Ensuite ici, donc ça c'est notre fiche perso, cavalier et cheval. Carnet des missions en cours, j'en ai pas disponible. J'en ai plusieurs, vous voyez, je peux aller retourner voir Justine. Le marché de chevaux de Ferdinand et Miss Foltatan. Mais c'est tout simplement que je vais pouvoir quitter du coup le lieu où je suis pour aller découvrir tout un autre univers, aller faire des balades, etc. Bon, je vais aller remplir mon seau d'eau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il faut que je trouve le puits. Ah yes, c'est comme ça, regardez, vous prenez votre seau, vous le mettez là. Ah bah ça, remplir seau. Et je vais vous montrer du coup comment prendre soin de votre cheval. Tiens, bah d'ailleurs, on va aller dans une écurie, ça sera plus sympa que de le brosser ici. Hop, allez, on remonte. Hop, montez. Et on va aller dans l'écurie. Il y en a du monde. Hein. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Allez, je descends. Ok. Donc, je vais lui curer les pieds. Voilà. Ensuite, je vais lui donner... allez, un petit peu de foin. Tac. Je vais lui donner à boire, bien évidemment. Et on va retourner voir... Alors, soit je fais une mission, soit je vais... Non, je pense que je vais sortir, je vais aller me balader, ça peut être sympa, je pense. Allez. Un nouvel environnement. Ok, alors. Donc là, j'ai quitté, du coup, les écuries. Fort Pinta, village Silverglade... Bon allez, on va aller à Fort Pinta, hein, c'est parti. Hop.
Franchement, je vous remercie beaucoup de m'avoir d'avoir insisté pour que je joue à ce jeu parce que je le trouve trop trop bien. Village Fort Pinta à droite. Ok. Attendez, il y a un petit obstacle. Je vais juste me faire plaisir. Je vais sauter le petit tronc là qu'on voit. Youhou! Oula, bah ça, à mon avis, je peux pas le sauter, je pense pas. On va essayer, hein, mais. Ah si! Trop bien. Alors, je suis où là? Fort Pinta, toujours à gauche. Ah, je n'y ai pas accès. Vous voyez, là, il y a un espèce de petit sens interdit. À mon avis, pour pouvoir débloquer cet accès, je devrais faire plus de missions. Petite mission, tiens. On se retrouve du coup directement à Mourland dans l'écurie. Je vais y rentrer et je vais essayer de trouver une petite mission à faire. Ok, donc là, je suis retournée voir Justin et il m'a proposé une mission pour sauver l'écurie. Parce qu'en fait, effectivement, il y a une personne en fait qui essaie de détruire les écuries. Vous l'apprendrez hein, quand vous jouerez au jeu, ou alors vous devez déjà le savoir si vous y jouez. Et du coup, en fait, il veut détruire les écuries pour construire des appartements. Et en fait, le but du jeu est de remplir certaines missions, donc pour évoluer de niveau, nous, et faire évoluer notre cheval également. Mais bien évidemment aussi dans le but de sauver l'écurie. Donc du coup, là, je dois aller retrouver son papa, Thomas Moorland. Voilà, donc ça, c'est le papa de Justin. Merci d'être venu si vite, Agathe. La situation avec Monsieur Campbell, donc qui est la personne qui veut détruire Moorland, tourne au vinaigre et j'ai besoin de ton aide. Discussion avec Thomas complétée. Ok. Je viens d'apprendre qu'il a presque convaincu le conseil municipal que la GED est propriétaire de ces terres. Il ne reste que peu de temps pour l'arrêter. En ce moment même, ces arpenteurs louches installent leur équipement pour préparer des plans détaillés de la démolition. Je pense que c'est les petits bonhommes qu'on a croisés tout à l'heure lorsque je suis partie me balader. Je suis le véritable propriétaire de ce terrain, mais je dois le prouver au conseil municipal et pour ça, j'ai besoin de ton temps. J'ai besoin de temps. Peux-tu m'aider à sauver l'écurie Moorland? Bien sûr. Nous devons retarder les arpenteurs de Monsieur Campbell pour gagner du temps. Pour ce que tu as à faire, c'est éteindre leur GPS. Ils les installent dans la zone à l'extérieur de l'écurie, entre ici et les collines où se trouve le site de construction. J'ai marqué sur la carte l'emplacement approximatif de l'équipement GPS. Bonne chance. Acceptes-tu la mission? Bien sûr. Il faut repousser l'expulsion. Voilà, les petits bonhommes qui sont juste ici. Ah ouais, ok, c'est ça, les GPS. D'accord, ça marche. Ok. C'est parti. Alors, si tu dois trouver ou aller chercher un objet lors de ta mission, regarde la carte. Ah, ok. J'avais pas tilté. Ok, bon, bah, ça, c'est cool. Ok, donc bah, je vais sortir et je vais aller éteindre tous les fameux petits GPS. Ok, j'en ai fermé un sur 5. Je le répète encore une fois, mais il est vraiment, vraiment super bien fait, ce jeu. Ok. C'est bon, condition remplie. Voilà, donc je retourne voir Thomas. Splendide, excellent travail, j'apprécie vraiment. Ça devrait les retarder pendant un moment. J'aurai au moins un peu de temps pour monter mon dossier contre Monsieur Campbell et le conseil municipal. Bon, je vais m'arrêter ici, je pense, pour la vidéo. Moi, je vais continuer à jouer un petit peu parce que j'aime bien. Mais la vidéo risquerait d'être beaucoup trop longue. Vous l'avez bien compris, hein, le but du jeu, c'est vraiment de vous amuser, de faire un petit peu ce que vous voulez, d'aller vous promener, de remplir des missions, de participer à des compétitions, faire des courses, acheter des nouveaux équipements, etc. Mais vraiment trop trop cool. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce jeu vous aura donné envie d'y jouer, ou alors d'y rejouer, ou alors de, pourquoi pas, me rencontrer sur la plateforme. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, d'utiliser le lien qui se trouve en barre d'informations sur lequel vous pouvez bénéficier d'une semaine gratuite en tant que Star Rider. C'est un petit peu le premium en fait, la version premium du jeu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos chevaux. Je vous fais de gros bisous. Salut !